Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Sane pour le Zéro. Merci à tous d'avoir rejoint cette chaîne YouTube. Et déjà un an que je voyage avec mon sac à dos. Je viens de passer 11 mois en Australie en working holiday, en second visa vacances travail, car j'avais commencé ce blog il y a 5 ans. Je suis revenu 4 ans après. J'ai passé aussi 3 semaines en Tasmanie, où là il y a les prochaines vidéos vont arriver sur YouTube. J'ai pris pas mal de retard. La Nouvelle-Zélande et là 10 jours en Asie du Sud-Est. L'aventure était incroyable. Et franchement, le Laos, je vous conseille, si vous êtes derrière cette caméra, de venir au Laos. Pas du tout touristique, pareil le Cambodge c'est pas trop touristique par rapport à la Thaïlande et franchement au niveau visuel t'en prends plein la vue. Bon les amis, c'est la catastrophe, ça fait un an que je voyage en sac à dos et bah comme toute bonne chose il est temps de finir ce voyage. Bon après je vais continuer un peu à voyager au Cambodge, je vais pas partir tout de suite en France, mais en tout cas je sais pas si pour vous c'est pareil, mais en tout cas quand vous rentrez 3 mois de visa vacances travail ou sac à dos ou juste une semaine en tout inclus, quand vous revenez en France, je sais pas si c'est pareil, mais on a le sentiment en fait de tristesse, de mélancolie parce que vous avez rencontré des personnes, parce que vous êtes attaché à la culture locale. Et même si vous allez voir à nouveau vos parents, vos proches, indirectement, vous avez l'impression d'être imprégné dans la culture et du coup le retour est inconcevable. Sachant que je vais rentrer, ce ne sera pas encore l'été, ben voilà, donc là il fait en ce moment 35 degrés, je suis dans la capitale du Cambodge. C'est vraiment très super sympa, il fait beau, les gens sont super souriants. C'est vrai que j'ai passé les 30 dernières années à Paris. Les gens sont beaucoup plus fermés, les transports en commun, les RER, ça c'est vraiment, vraiment galère. Donc voilà, c'est la catastrophe, je vais bientôt rentrer en France. Avec le temps, il y a un décalage de mentalité, j'ai passé 2 ans en Australie en visa vacances travail, un peu en Asie, et du coup, bah, c'est pas du tout la même mentalité. On va dire qu'en France, c'est individualiste, ici c'est vraiment chacun aide chacun, du coup, bah, il y a vraiment cet esprit. Et du coup, je pense qu'en France, on va prendre cet esprit de partage et de donner beaucoup en fait. En Australie, les gens t'aident énormément, de Zélande. Là en Asie c'est encore plus fort, on sent les gens, c'est entre eux, enfin, même en tant que touriste peuvent t'aider, enfin, voilà. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est la catastrophe, le retour est bientôt programmé. Et du coup, bah, je sais pas, je le sens pas forcément super bien. Alors après voilà, je vais rester un peu en France, je vais faire aussi un tour de France, je vais voyager à travers la France. Et après bien sûr je vais repartir en Nouvelle-Zélande, mais là le retour en fait il va être difficile, tout simplement parce que... Bah voilà, t'es dans ton truc de voyage et là, bah, revenir en France, revenir à Paris surtout, c'est les transports et tout, mais en tout cas à Paris, perso à Paris, moi je peux plus, hein. je quitte Paris, je reviendrai pas à Paris, je vais m'installer bien sûr autre part en France, c'est sûr. Donc voilà, bon bah très bientôt, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, juste le retour où en fait, bah, il y a beaucoup de monde qui appréhende le retour, je pense que vous en êtes pareil. Allez, à très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas bien sûr à rester sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, vous allez voir, il y a un nouveau format sur la chaîne YouTube, ça devrait plutôt bien exploser la chaîne YouTube. Je vous rappelle bientôt les 3000 abonnés sur YouTube. Allez, salut les amis, à bientôt.